Choix. 98.1. Choix. Radio X. Le hockey. Dans Montréal Live. C'est l'enclave. C'est l'enclave avec Tony Marcon, notre chum Tony. Comment ça va à Montréal ce matin? T'es-tu à Montréal ou t'es chez toi dans les Bois-Francs? Ouais, non, je suis sur la rive sud de Montréal, dans ma résidence. Donc, c'est là où je suis. Avant de partir, t'es allé dans l'Ouest à mon tour la semaine prochaine. Oh, tu t'envoies des petites vacances. C'est le fun, Tony Marcotte. Non, c'est pas des vacances, c'est vraiment du travail, mais on va bien s'amuser quand même. OK, parfait. Et Simon Snake Boisvert, comment ça va, Snake? Ça va bien, merci. Et toi? Number one. D'entrée de jeu sur 10, combien vous donnez à M. Hugh Snake puis à Tony par la suite? Ah, 9 sur 10, je te dirais. Parfait. Puis toi, Tony, là, tu fais ton prof un matin. Ouais, je vais rajouter 1.5 à ça. 9.5 sur 10. Et pourquoi, Tony? Ben d'abord, la transaction Lekkonen, on s'en parlait hier. Moi, j'anticipais une excellente offre pour Lekkonen. C'est exactement ce que le Canadien a eu. Je suis agréablement surpris du retour qu'on a eu pour Lekkonen. Honnêtement, c'est au-delà de mes attentes d'avoir la qualité de prospect de Justin Barron en retour. Moi, ce que j'aime là-dedans le plus, c'est qu'au lieu d'aller chercher un choix de premier tour pour tout de suite en 2022, d'aller chercher un choix de première ronde 2020, qui est proche de la Ligue nationale et qu'on pourra déjà utiliser cette saison dans quelques matchs avant de le retourner à Laval pour compléter l'année et jouer dans les séries. Et en plus, tu vas chercher un choix de deuxième tour. Excellent travail, c'est incroyable. La récolte, honnêtement, de Kent Hughes dans les transactions Sherrod, dans les transactions Toffoli, celle de Lekkonen, même pour Brett Kulak. Honnêtement, c'est du travail très, très bien fait. Hughes a bien fait de profiter de la manne parce que c'était un marché de vendeurs. Et on en a eu la preuve toute la journée hier. Les prix étaient à la hausse. Et le DG du CH a très bien fait des choses, j'ai trouvé. Snake, tu le connaissais-tu? Barron, qui pourrait être habillé même en fin de semaine, dit-on, là, sur le site d'RDS. Tu le connaissais-tu? Ben oui, Justin Barron, c'est un gars qui, avant d'arriver dans la Ligue junior majeure du Québec, était perçu comme un futur choix, peut-être top 10 ou top 15 au repêchage de 2020. Sauf que il a été malade, et puis je te dirais que il y a eu la COVID aussi qui a pas mal chamboulé là, les saisons juniors. Puis je te dirais qu'il m'a laissé un petit peu sur mon appétit par rapport aux attentes que j'avais. Cependant, lorsqu'il est arrivé avec les Eagles du Colorado, je me suis dit, là, c'est vraiment plus le joueur qu'on attendait. Est-ce que je m'attends, cependant, dans la Ligue nationale, à un défenseur top 2 qui va jouer sur le premier jeu de puissance? La réponse est non. Sauf que parmi tous les espoirs que le Canadien a en défense en ce moment, qu'on parle de Goulet, Harris, par exemple, je pense qu'il est supérieur à eux parce qu'il y a un petit peu plus de potentiel offensif grâce à son coup de patin que les deux que je t'ai mentionnés. OK. Ça pourrait ressembler à quoi? Parce qu'on a beaucoup entendu parler hier de la ligne bleue, ceux qui s'en viennent. Puis évidemment, Romanov, lui, fait partie de l'actuel, mais il fait partie de la ligne bleue, mettons, dans 5 ans. Mettons dans 3-4 ans. On va se calmer, on n'ira pas trop loin. Là. Mais mettons en 2025, les boys, qui pourraient faire partie des escouades, mettons, les deux premières paires de défense à Montréal, ça pourrait ressembler à quoi, mettons, dans 3 ans? Idéalement, dans un monde idéal. Ben, idéalement, si tout le monde se développe comme prévu. Exactement, c'est ce que je dis. Tu sais, tes meilleurs espoirs en défense, c'est sûr que Romanov, c'est là. Goulet et Barron se connaissent très bien. Ils ont joué ensemble au Mondial Junior l'année passée. Écoute, un gaucher, un droitier, c'est parfait. Ça pourrait facilement être la deuxième paire à Montréal. Puis, évidemment, Logan Mailloux, si on décide de le garder, ce que je doute encore, mais moi, je pense que le Canadien a fort à gagner, à garder ce gars-là dans sa liste de prospects. Je veux dire, présentement, tu as quand même là, 4 défenseurs fort intéressants à qui tu rajoutes Jordan Harris qui devrait arriver cette année. Alors, si c'est seulement juste des jeunes, ça demeure des suspects à ce point-ci. Mais je pense qu'à un moment donné, on va se rendre compte qu'on a une bonne banque d'espoir en défense. L'acquisition de Barron change tout d'homme parce que
Lui, il coche la case importante d'un défenseur droitier, gros format, qu'on n'avait pas dans la formation prochaine, dans les prochaines années, parce que Mayhew, peut-être quelques années de développement de plus à faire, mais Barron est vraiment proche, qu'on a vu là, dans la Ligue américaine cette année au Colorado, est très intéressant, il connaît vraiment une belle saison, il est tout jeune encore, mais moi, j'aime beaucoup son potentiel. Comment il se développe, Mayhew, cette année, Snake? Comment ça va-tu pas pire, Mayhew? Oui et non, je te dirais. Je vais te dire pourquoi. OK. Mayhew, c'est un joueur grand format. Et dans la Ligue de l'Ontario, bon, il vient d'avoir 19 ans en plus. 6'3", 208 livres. Oui, c'est ça. Puis il va ressortir du paquet parce que souvent, quand il va monter la rondelle, tu vois cette grosse présence-là sur la glace. Puis c'est très, très impressionnant. Et puis, ça lui donne quand même l'occasion de passer à travers tout le monde, de faire ses montées. Mais je trouve que des fois, il triche un peu, il relaxe un peu trop défensivement. Et cet avantage-là de grosseur et du fait qu'il est imposant, dans la Ligue nationale, ça va s'estomper. Alors, je pense que le gars, il a encore des croûtes à manger avant de devenir un régulier dans la Ligue nationale. Mm-hmm. Mais on parle d'un gars qui est seulement à sa saison de repêchage plus un. Donc, il y a une autre année junior à jouer. Après ça, tu l'envoies à Laval. On parle quand même d'un projet de 3-4 ans, mais il y a quand même là, des choses dans son éthique de travail, je crois, à améliorer. Rapidement, pour le reste, quel est l'échange qui n'a pas été fait? Je vais vous donner deux pistes et deux points d'interrogation parce qu'on parle des équipes canadiennes. On veut toujours que les équipes canadiennes se rendent au bout. La meilleure équipe canadienne... Je pense que c'est Calgary, la plus complète, à tout le moins. Je pense que vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Mais tu sais, l'histoire de Fleury qui se ramasse avec le Wild, OK, c'est correct. C'est peut-être même lui qui a décidé. À quelque part, un vétéran, tu lui demandes où tu veux aller, puis regarde, OK. Mais Toronto, pas de goaler. Et Edmonton, pas de goaler. Je pense que le Toronto, c'est encore pire. Ça s'en va où, ces équipes-là? Je comprends, là, Toronto sont éclatants à l'offensive, mais il n'y a pas de goaler. Non, Tony. C'est encore. Les Leafs, ça va être dur, là. Ça va être très difficile. Je regardais Carl Dubus hier. D'abord, il était vraiment pas content que son intérêt pour Marc-André Fleury sorte au grand jour. Puis il a carrément accusé son homologue Kyle Davidson à Chicago d'avoir vraiment laissé filtrer l'information. Il était vraiment pas content de ça. Moi, je pense qu'il y a fort à parier que Fleury ne voulait rien savoir d'aller jouer pour les Maple Leafs de Toronto. Ben, c'est des questions géographiques, semble-t-il, qu'il voulait être proche de sa famille. Le Minnesota de Chicago, c'est vraiment pas loin. Alors, sa famille est allée s'établir à Chicago, pensait vraiment jouer toute la saison-là. En même temps, il va être en série, il est proche de sa femme, je comprends, mais il va être dans... il va être sur la glace, là. Je suis plus proche de ma femme, mais... Ouais. Regarde, je te pose la question. C'est qui est le plus fort entre le Wild? C'est qui a une défensive plus hermétique, plus solide? Quelle est la défensive qui va le faire mieux paraître entre Toronto et le Wild? Tant qu'à ça, c'est peut-être ça la vraie question, au final. Ouais, c'est peut-être ça la vraie question. Ouais. Moi, je pense que l'opposition pour les Leafs en série est bien supérieure à ce que le Wild pourrait avoir, parce que l'Est, pour moi, bien meilleur que l'Ouest actuellement. Le défi pour les Leafs, c'est vraiment colossal. Je dis pas que le Wild va prendre la rondelle puis s'en aller faire la Coupe Stanley, mais je pense que la qualité des adversaires qu'attendent les Maple Leafs, ce sera pas facile de sortir de l'Est. Snake, les Leafs, honnêtement. Mrazek, ils ont donné un contrat de fou, l'ont mis sur le balotage. Qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que tu penses même en général, en termes plus global, des échanges qui auraient dû être faits, qui n'ont pas été faits? C'est qui a plus le manqué le bateau? Je te dis Toronto, Edmonton, ton regard là, de la journée d'hier? Ben, à part les bizarreries des sénateurs d'Ottawa, mettons, là. Ouais. On va rester dans les équipes plus qui sont dans les séries, là, comme tu as mentionné, Toronto et Edmonton. Le problème, c'est qu'il n'y a pas 32 gardiens de but numéro 1 dans la Ligue nationale. Ça, c'est le premier problème. Allen, y avait-tu de la valeur? Mettons Allen, si on met Allen dans le loop. Es-tu surpris qu'Allen soit encore à Montréal? Oui et non. Tu sais, c'est qu'Allen, c'est un bon réserviste, mais est-ce que c'est un gars nécessairement avec lequel... Ouais. Peut-être pas un vrai numéro 1. Ben, c'est ça. Comme je t'ai dit, il n'y a pas 32 gardiens numéro 1. Oh oui. À Toronto, là, le gros problème, c'est plutôt le style de jeu, puis la brigade défensive. Puis je trouve que c'est très excitant quand tu regardes ça. Là, c'est très divertissant. Wide open. De Toronto.
Mais pour gagner, avec, comme disait Anthony, la montagne d'équipes qu'ils vont avoir à battre, Tampa, Floride et compagnie, t'sais, ils sont un petit peu dans une position difficile qui les fait mal paraître. Mais en même temps, c'est un peu de leur faute et de la faute de Dubis d'avoir monté cette équipe brouillonne, que je te dirais. Ce matin, à 8h05, dernière question. Quelle est l'équipe qui s'est la plus améliorée et quelle est l'équipe la plus forte? C'est une bonne question. Moi, c'est difficile de ne pas aller dans la direction des Panthers de la Floride. Je veux dire, ils se sont vraiment améliorés. L'état de santé d'Aaron Ekblad est inquiétant. Là, il s'est fait mal au genou. Lui, c'est leur pilier en défense. C'est sûr que c'est une grosse perte, mais s'il revient pour le dernier droit dans les séries, je pense qu'ils vont être corrects en défense. L'acquisition de Claude Giroux, je veux dire, sur un deuxième trio, deuxième vague de l'avantage numérique, imagine le luxe pour les Panthers. Ils ont profité d'une occasion parfaite d'ajouter un gars qui voulait vraiment jouer pour les Panthers. Ils vont aller, ils sont allés chercher probablement pas mal moins cher que si une autre équipe avait mis la main sur Claude Giroux. Alors pour moi, c'est dur de ne pas aller vers les Panthers. Puis la deuxième équipe, pour moi, c'est l'Avalanche Colorado qui est venu combler des besoins importants de robustesse en défense avec Josh Manson et Arturi Lehkonen. Veut pas, c'est un gars du vécu dans les séries éliminatoires. Il a très bien fait l'an passé pour le Canadien. Connaît une grosse saison et avoir un Lehkonen sur un troisième ou quatrième trio dans les séries. Là aussi, c'est un luxe, mais Joe Sakic a évalué là, que ça prenait exactement un gars comme ça pour un trio de soutien. Et vas-tu avoir la Coupe Stanley à Beach sur la plage en Floride? Sur l'autre côte, là, t'as eu Tampa, mais l'autre côte l'a pas eu, la Coupe Stanley. Snake? C'est pas impossible. Écoute, je pense qu'Anthony a bien résumé la situation. Les Panthers, c'est probablement l'équipe la plus améliorée, mais je considère que la meilleure équipe demeure l'Avalanche du Colorado. La raison pour laquelle, cependant, je ne mets pas l'Avalanche comme la plus améliorée, c'est que, personnellement, surtout avec le retour, avec ce qu'ils ont donné en retour, moi, j'aurais visé davantage Andrew Kopp des Jets de Winnipeg, qui est rendu avec les Rangers, que Arturi Lehkonen, qui connaît la saison de sa carrière, mais honnêtement, je ne sais pas si ça cadre bien avec l'Avalanche. On verra. Puis, étant donné que tu étais fort dans tout ce qui s'appelle fake draft, puis tout ça, les relèves, là, c'est pas mal, c'est là que tu es plus connaissant, mon Snake. Canadien a deux premiers choix pour juin, le repêchage à Montréal. Qui le Canadien devrait viser? Là? On comprend que la saison n'est pas finie, on comprend qu'il y aura un boulier, mais quand même, qui est le plus intéressant, considérant les besoins du Canadien, considérant la nouvelle philosophie du Canadien? On a compris hier que c'est le patin. Hughes a été très clair. Nous autres, on veut un club qui patine, un club excessivement rapide. Qui tu vois dans ta boule de cristal? Snake, puis peut-être Tony pour finir. Ben, de façon curieuse, moi, si j'étais le Canadien, c'est Connor Geeky que je choisirais. Mais Connor Geeky, le patin, c'est pas sa force. Alors, je pense que ça sera pas le choix du Canadien, mais moi, ça serait mon choix. Mais t'es d'accord pour dire qu'on a compris la philosophie du CH? Ah, très bien. Puis moi, avec le deuxième choix, s'il est encore disponible, avec le choix de Calgary, je choisirais le défenseur américain Sam Rinzel. Lui, il patine, il est mobile, il transporte la rondelle, il mesure 6 pieds et 4. Pas grand monde le connaît, mais d'après moi, c'est la carte cachée du repêchage. Wow. Tony, pour finir. Ouais, ben moi, c'est Shane Wright. C'est clair que si on repêche premier, c'est Shane Wright qui va débarquer à Montréal. Il a tous les attributs pour être, dans le pire des cas, un joueur de centre numéro 2 dans une excellente équipe de la Ligue nationale. C'est un Péling, je te dis n'importe quoi. Non, c'est bien meilleur que Péling. Non, mais c'est parce qu'on s'est fait chanter à romance avec Péling. Péling, ça n'a rien à voir. Ben non, ça n'a pas du tout la même offensive. Ryan Péling, si on regarde ses statistiques plus jeunes, s'approche même pas de Shane Wright. Okay. Ça se compare pas. Là. C'est vraiment, vraiment pas le même type d'espoir. Moi, Wright, ce serait mon choix, mais il y a des bons jeunes. Dans les cinq premiers, ouais, je pense que le Canadien va avoir quand même un excellent jeune. Je ne dis pas, il va repêcher premier, il va falloir qu'il gagne la loterie. Si tel est le cas, pour moi, c'est Wright le choix, mais par la suite, il y a de très bons espoirs aussi. C'est bon, les boys. Merci encore, on se reparle. Salut. Hey, merci, bye. Merci. Salut.